Morning, bonjour à tous et à toutes. C'est la deuxième journée ici à Cannes sur notre studio. Vous êtes en direct. Voilà, jusqu'à présent la voie se maintient. Le temps sur la croisette est parfait. On nous annonce la pluie pour demain, ça c'est pas terrible. Et l'activité des Cannes Lions s'intensifie, beaucoup de monde au Festival International de la Créativité. Nous sommes donc toujours en direct, c'est les Lions Coffee. On n'a pas reçu les cafés encore, mais ça ne serait arrivé bientôt. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quatre personnalités représentant notre industrie assez globalement. En fait, il y a plusieurs métiers représentés. Alors j'ai à côté de moi Karine Jean-Jean, directrice de la communication de RTL AdConnect. Bonjour Karine. Bonjour Pascal. Michel Juvelier. Au bout, au fond de la classe. Oui. Monsieur Michel, The Society's Media, qui d'habitude est à ma place. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci pour l'invitation, Pascal. Et je t'en prie. Stéphane Martin de la RPP qui nous fera de sa petite chronique utile. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et Anna du Hub Forum, hein, arrivée en force aussi sur la croisette, le Hub Forum, après Vivatech. Merci d'être là. Merci. Alors avant de commencer, on a quand même réussi à attraper le Big Boss et lui demander quelques mots pour nous encourager et puis pour lancer ce festival. Écoute, Jérémy, si tu peux envoyer, c'est Simon Cook, le président des Cannes Lions. Hi everyone, I'm Simon Cook, I'm the CEO of Lions. Delighted to be with you here on Lions Coffee. Bon festival à tous. C'était court, mais c'est très encourageant. Alors, ça a commencé déjà depuis hier. On va enchaîner, en fait, cette émission. C'est le What's Up Today. Alors, on va commencer. Il se passe quoi aujourd'hui? Karine, alors toi, je sais qu'il y a... c'est intense. RTL est très présent sur la croisette. Une très belle installation que tu m'as donné l'occasion de visiter hier. Ouais, la plage, elle est vraiment, vraiment, comme on dit ici, amazing. Qu'est-ce que Merci. Tu... Alors, raconte-nous un petit peu. Alors, cette semaine, on a pas mal d'actualités, dont une très chaude aujourd'hui. On a fusionné il y a 2 mois avec deux filiales du groupe RTL, donc Smart Clip et IMS. Et on annonce donc aujourd'hui, à midi, on fait le grand reveal. Je vais te travailler toute l'émission pour avoir le nom. De cette nouvelle structure. Donc, il va représenter un inventaire total média au niveau international, global. Donc, plus de 300 plateformes vidéo, 100 chaînes de télévision et 2000 publishers digitaux et 40 radios. Comme on dit, du lourd. Stéphane, d'ailleurs, fera l'annonce, hein, je crois, à midi. Exactement, midi et 30 sur la plage. Au niveau international, puisque c'est un sujet international, exactement, évidemment. Ouais. Beaucoup aussi de choses sympathiques. J'ai entendu parler de l'impératrice. Raconte-nous. Donc, comme on annonce on officialise notre nom aujourd'hui, on voulait célébrer aujourd'hui, en plus, c'est la fête de la musique. C'est exact. Voilà. Donc, j'avais oublié, tiens. Voilà. Donc, on a le plaisir, l'honneur de recevoir l'impératrice ce soir sur notre scène, donc sur la RTL Beach, et Mead, qui clôturera la soirée avec nous. Intro de Get a Room, enfin un super line-up ce soir pour célébrer cette nouvelle On y sera. Mais avec grand plaisir. Vous êtes tous invités. D'ailleurs, moi, c'est une collection totale. Hein, nos amis ici présents, je pense que vous viendrez. Vous êtes tous invités avec joie. C'est réservé. Ah, il faut se déplacer, Michel. toi, justement, Michel, alors, t'es arrivé quand? Moi, je suis arrivé dimanche après-midi. Et j'y suis, je reste là jusqu'à samedi midi. Donc voilà. Je vais vraiment profiter à fond pour prendre le maximum de bracelets possible. C'est mon challenge de la semaine. Voilà, ouais, c'est vrai qu'en fait là je te fais bosser. D'habitude tu as le micro, mais là tu étais venu et sans le micro, non. Exactement, c'est très impressionnant d'être de l'autre côté, je ne le savais pas. Et comment tu trouves la croisette cette année? Eh ben, en fait, je trouve que les Américains sont revenus en force. Hein. J'ai même l'impression qu'il y a un côté un peu spring break de l'industrie publicitaire, en tout cas pour le marché américain. J'ai la chance en plus cette année je veux parler un peu de choses personnelles, mais d'accompagner, d'avoir ma fille qui m'accompagne. Beaucoup de gens viennent en famille cette année. Exactement. Qui fait ses premiers pas sur le marché et qui a rencontré énormément d'étudiants américains qui viennent de la Nouvelle-Orléans, de New York.
parce que la Cannes, c'est the place to be, pas seulement pour l'industrie publicitaire française, mais l'industrie internationale et notamment l'industrie américaine. Et on sait, et ça se ressent. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore venir tous les ans depuis bientôt presque 10 ans sur cet endroit, parce que véritablement on fait des rencontres inspirantes et qui nous aident à développer de nouveaux produits, des nouveaux partenariats, et puis retrouver également des gens qu'on a l'habitude de voir tout au long de l'année, mais dans un cadre très différent et très sympa. Merci Michel. Anna, oui. Anna, alors le Hub Forum qui a eu une activité intense sur le Vivatech. Ouais. Je sais que là, il y avait une équipe, je ne sais pas combien vous étiez, c'était juste impressionnant. Alors, il y avait tout le Hub Institute qui était là. On organise le Hub Forum, c'est pour ça que tu dis Hub Forum. Ah oui, non, mais moi, c'est toujours été... voilà, alors, salut Emmanuel grave, voilà, et Vincent, qui doivent être là, d'ailleurs, je pense, sur la croisette aujourd'hui. Vincent, il va arriver sur voilà, moi, oui. Et je sais que ça a été une activité très intense oui, pour vous. Oui, on a organisé 160 délégations, donc c'était tout, on a mobilisé toute l'équipe, donc on est très contents. C'était très intense, 3 jours, avec des tours express, avec des délégations du luxe, du retail... voilà, c'était très intense. Voilà, et le programme pour vous, là, c'est comme vous faites chaque année, de regarder exactement. Un peu toutes les tendances et Là, c'est le grand retour. On va faire un rapport de Cannes Lions. Comme vous faites chaque année. Exactement, pour recenser qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les nouvelles tendances pour nos clients. Voilà, et comme disait Michel, rencontrer nos clients... comme d'habitude, mais en version swimming suit et tout. Voilà, et oui, alors ça confirme une chose, hein, on n'est pas en vacances en fait. Hein. Non, mais c'est très agréable. C'est de bonnes conditions pour travailler. Mais attends, demain, il paraît que ça va se gâter. Ouais. Et on retrouve Stéphane. Oui. Ça va Stéphane ? Mais très bien. Bon, la première journée s'est bien passée ? Fort bien. Je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai que les Cannes Lions, c'est vraiment très international, donc c'est enrichissant. Mais on y rencontre aussi le marché français et c'est aussi important. Donc, il n'est peut-être pas assez nombreux d'ailleurs, on pourrait presque regretter alors que nous ne sommes pas si loin. Mais regarde. Mais nous sommes voilà, peut-être. Voilà. Et ce n'est qu'un échantillon. Et je pense que dans la semaine, les jours prochains, il y aura, l'espère. Je reçois des SMS, tout le monde arrive. Voilà, c'est ça. Me demande où il faut déjeuner, il faut dîner, donc où tu as eu tes bracelets. C'est bon signe. C'est bon signe alors. Stéphane, on va passer à la chronique. Tout à fait. Ah, Jérémy, t'envoies le générique. Alors Stéphane, c'est à toi. On parle de quoi aujourd'hui ? Le thème du jour, on a parlé un peu hier, c'est vraiment central ici, c'est tout ce qui est l'inclusivité, l'égalité d'ailleurs, mais aussi tout ce qui est la diversité. Donc c'est vraiment le centre... On a un beau plateau. Et c'est le centre même de l'activité des Cannes Lions. Et puis surtout, hier, il y a eu cette annonce de la Fédération mondiale des annonceurs, hein, la WFA, qui a communiqué dans les suites de ce qu'avait fait notamment la profession avec un recensement des pratiques. Puisque le sujet que l'on a en tant que ARP, c'est d'accompagner bien sûr la profession sur les représentations. Comment faire ? Évidemment, ce sont des engagements que les marques, les agences, les médias prennent pour s'améliorer, hein, ce changement. Mais hier, il y a eu donc cette charte lancée, charte pour un changement, mais qui, cette fois-ci, concerne l'industrie elle-même. Et c'est important, puisqu'on est tous là. C'est comment aussi, dans notre management, dans le leadership, dans les recrutements, dans aussi comment faire grandir les talents, comment aussi prendre en compte même la santé mentale. Il y a 11 aires d'intérêt, en tout cas, portées par cette charte. Et il faut vraiment la lire, cette charte, et elle sert à tous, à nous tous. On la retrouve où, en ligne ? On la retrouve sur le site de la Fédération mondiale des annonceurs. Et puis surtout, il y a eu ce grand lancement ici même. Et ça sert aussi à ça, Cannes. C'est aussi d'associer toute l'industrie, dans le nom anglais, toute la profession, à s'améliorer, à changer, à montrer aussi des choses bien. Parce que c'est vrai que les publicités ont énormément évolué. Hein, on le voit, évidemment, on fait beaucoup de bilans, d'observatoires. Mais comment aller plus loin ? Et y compris dans nos propres vies professionnelles, dans nos bien recrutements. Sûr. Alors, c'est sujet, les grands sujets, même sociétaux du moment. Un rebond sur le sujet ? C'est vrai que la notion de diversité est un sujet qui me tient à cœur. Pas simplement la diversité ethnique, mais également la diversité hommes,
femmes, puisque c'est d'ailleurs un sujet que l'on a traité pas plus tard qu'il y a une semaine au sein de The Programmatic Society et qui sera diffusé au mois de septembre. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement important que cette diversité soit présente parce qu'on utilise de plus en plus de data et que sans aller dans des détails d'ordre technique, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des biais en fonction du type de développement qui est fait autour des algorithmes et des data et qui serait dû malheureusement à un manque de diversité, j'allais dire pas seulement de la société publicitaire ou en tout cas du microcosme publicitaire, mais de l'ensemble des sociétés et des pays qui composent notre belle planète bleue. Donc c'est vraiment important effectivement d'appuyer sur la diversité, mais attention à la diversity washing aussi, oui. Parce que s'il y a un des points, je pense, qui pourrait également accélérer la diversité, c'est la diversité dans les instances de gouvernance des entreprises, des sociétés ad-tech, des médias, et pas simplement au niveau opérationnel, parce que les prises de décision se font quand même en comité assez restreint. Et si dans ce comité restreint, il y avait des gens suffisamment représentatifs des populations, ce serait magnifique. Voilà. En fait, Michel, tu donnes un micro, après, il fait l'émission. Un autre, quelqu'un veut rebondir encore sur le sujet ? Bah, peut-être, c'est aussi le fait de dire aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération, à partir des millennials jusqu'à les nouvelles générations d'aujourd'hui, qui cherchons un vrai combat. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, la guerre des talents est tellement forte. Et les gens, ils vont vraiment regarder, les jeunes, ils vont vraiment regarder dans quoi ils investissent leur énergie. Et maintenant, il y a un vrai combat. Donc peut-être la publicité est le début de ce combat. Mais voilà, ça va très loin, la diversité, l'inclusion. Mais d'avoir vraiment une congruence entre la marque et ses employés, tout est systémique aujourd'hui. Karine, un petit mot ? Nous aussi, en tant que médias, on a une responsabilité déjà sur la création de contenu. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, notre force aujourd'hui, c'est de créer un contenu qui est vérifié, qui a une déontologie. Bien sûr. Donc, oui, c'est super important, qui intègre évidemment tous ces sujets. Donc c'est un sujet quotidien en tant que diffuseur. En tant que producteur de contenu. Et c'est un sujet aussi, nous, qu'on développe beaucoup. On est partenaire de la WFE, donc on est très engagé avec eux sur ce sujet-là. On est aussi partenaire de l'ECTA, qui, elle aussi, développe beaucoup de choses sur l'inclusion, le handicap aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a une journée totalement dédiée à ça, à la responsabilité, l'inclusion, la diversité, jeudi prochain. Donc ici à Cannes. Avec beaucoup de noter, panels, de discussions autour de ça, auxquels on a invité des acteurs, la WFE, l'ECTA, des annonceurs. Il y aura engagés. L'IA aussi, parce que vous êtes aussi exactement, partenaire de l'IA, qui est partenaire de cette émission. Tu sais. Voilà, et on, et on hoste les Act Responsible Tribute. Exactement. En voilà. Fin d'après-midi jeudi pour clôturer cette journée dédiée à la responsabilité. On en reparlera cet après-midi avec MyAct, l'émission qui évoque le sujet du rôle, de la responsabilité, des engagements de notre industrie. Alors, avant de terminer, s'il a fini de faire ses SMS au fond de la classe, on a un ami qui est passé. Je vais le faire passer. Alors, c'est pas prévu, mais vas-y, rentre. Mets-toi à côté de Michel. Nicolas, le boss de Criteo qui est de passage. Écoute, j'ai pas pu passer sur le bateau hier, hein, désolé. Oui, j'ai vu ça, hein, mais c'était trop calme pour toi, je pense. C'est ça. On était en mode tisane, tranquillement, avant d'aller se coucher, et c'était pas pour toi. Voilà, j'étais prendre ma petite tisane et j'étais me coucher. Ça va, Nicolas ? Oui, très bien. Bon, merci d'être passé, t'as passé une tête, je t'ai vu là, j'ai dit bon, allez. Hein ? C'est quoi, juste rapidement, puisque c'est le What's Up Today ? Aujourd'hui, il se passe quoi chez Criteo ? Aujourd'hui, beaucoup de meetings. Voilà, c'est pour ça que j'étais raisonnable. Là, tu bosses ? J'étais raisonnable hier soir, exactement. Donc, ça j'ai pas vu la fin, moi. Ça s'enchaîne. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'enchaîne. C'est la première fois, c'est un moment important pour Criteo. C'est la première fois qu'il y a un vrai investissement, une présence à Cannes. Donc, ça marque vraiment la transformation de Criteo vers des offres haut de funnel également. C'est pas seulement de la performance en ligne, comme on a connu pour les e-commerçants. Donc c'est un moment important pour nous et donc on fait connaître auprès des annonceurs et des agences et nos clients et nos partenaires
on présente évidemment nos produits, quoi. C'est du business aussi. Ah bah c'est surtout du business. Et donc, sauf qu'effectivement, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est les soirées. C'est le, où je sais, je sais. Alors, on a un cocktail ce soir à 18h. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Vous voyez, lui, il l'a. Voilà, il l'a. Donc, absolument, tu peux t'inscrire. Sinon, tu m'appelles, je te ferai passer. Mais effectivement, on a à Cannes, on a voilà, les stands. Par rapport aux autres conférences, les stands sont des yachts, c'est assez surprenant. Voilà, on va pas le dire trop fort parce qu'on va se faire allumer. Ouais, ouais. Il reste à quai, donc. Ah, il bouge pas. Et voilà, on a plein de petites salles. Et il y a des écrans solaires pour tout alimenter. Donc on enchaîne les meetings, des déjeuners clients, et puis après, en fin de soirée, voilà, un cocktail, et ensuite on se laisse porter. Voilà. En essayant de ne pas finir trop tard pour enchaîner le jour d'après. Et pense à passer ce soir chez RTL. Mais bien sûr, mais on j'ai pas d'invitation moi non plus. Ah bah non, mais là, j'attends. Non, mais les bracelets, c'est un métier. Hein. On échange. Donc ouais, bah, impératrice ce soir. Avec grand plaisir, bien sûr. Voilà. Bah écoute, on va clôturer cette émission. Merci à tous, en tous les cas, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir été présent. Merci, Nicolas, d'être passé à l'improviste comme ça. Plaisir. On se retrouve plus tard sur ta petite barque et avec les rames. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne fin de journée. Ciao. Merci. À demain. Salut. Merci.